Gars. Salut tout le monde, enchanté. Donc là ça part complètement en cacahuète. La Chiesa, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo. Bon là je suis tout seul, je suis pas avec toute la team au complet. Mais aujourd'hui on va faire une vidéo très spéciale. Je vais faire une petite surprise à Bast. Là il faut savoir que Bast il est à Albi en attendant demain son show parce qu'il a un show à Albi demain. Et pour lui c'est mieux parce que le trajet il est vraiment long. Du coup là bah, moi comme je suis à Toulouse et que Albi c'est juste à côté. Et oui c'est juste à côté, vous l'avez deviné les gars. Moi ce que je vais faire c'est que là sur un coup de tête je me suis dit go lui faire la surprise. Là je suis à l'arrêt de bus, je vais prendre le bus. Je vais aller aux arènes, je vais aller à la gare de Toulouse, je vais prendre le train et direction Albi pour le voir. Et après, bah moi je rentre parce que demain aussi j'ai un show, je dois me lever à 6h du matin. Let's go! Je suis trop excité les boys. Là j'ai trop hâte de faire la surprise à Bast, on va voir sa réaction. Let's go les gars et à tout de suite. Bon, je suis en appel avec Ahmed. Ahmed, dis bonjour à la vidéo YouTube. Bonjour. Eh les gars, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Comme vous voyez là je suis arrivé à la gare. Le seul problème c'est que j'ai raté mon train évidemment. Du coup là je me dirige vers le guichet pour payer du coup un autre billet de train. On va essayer de prendre le prochain billet de train pour Albi qui est à 18h15. C'est bon, j'ai réussi à prendre un nouveau train. C'est la voie 8, ouais, c'est ça. Albi Ville. Voilà Albi, j'ai mon billet juste ici. Et normalement j'arrive à 19h24 à Albi. J'espère que vous allez bien. Les gars dites-vous que Harry là il a pris beaucoup de risques pour pouvoir faire cette. Donc les gars là c'est un maximum de likes parce que ce qu'il est en train de faire c'est un truc de fou. Il a dû carrément repayer un billet de train pour cette vidéo. Merci beaucoup, faites un voyage. Là je viens d'arriver à Albi. Il est 19h30, je devais arriver à 24 mais bon c'est SNCF quoi, qu'est-ce que je voulais que je dise mais... J'ai 10 minutes à pied de là jusqu'à l'hôtel, je vais courir un peu. Je suis arrivé à l'hôtel. J'espère que c'est ce Ibis parce qu'il y en a plein ici. Si c'est pas ce Ibis, ça va vraiment être compliqué de lui faire la surprise. Excusez-moi. Oui. C'est où la chambre 38? Ouais. C'est ce pas ici. Ah ouais? 38 non. Ouais, basta. Ouais, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi j'ai la haine. Pourquoi? Moi là je suis à Albi pour te faire la surprise, le problème c'est que je te trouve pas. Sérieux, t'es Albi? Mais oui putain! Ouais, depuis tout à l'heure j'étais dans le train, là clairement je suis à Albi gros. Bon les gars j'ai carrément la haine, j'ai fait un Ibis budget pour vous dire, j'ai cherché Bast de partout. Il était pas là. Là il est 19h43. Bon voilà les gars, petite surprise à Bast même si ça a pas super bien marché. Ouais. Je suis venu te faire la surprise là. Et on voit qui? C'est incroyable. Ouais, dis-moi, une photo. Bonjour. Alors, attends. Dis-moi, je suis hyper pressé. Dis-moi. Je suis venu à Toulouse pour lui faire la surprise. Ouais. Et là, je te vois, toi. C'est la surprise, c'était prévu. Les gars. Salut tout le monde, enchanté. Trop cool. Et voilà, c'est avec grand plaisir. Merci Thibaut. Mais frère, incroyable. Bah, je sais pas quoi dire en fait. Mais gros. Non, je vois que Thibaut in shape comme ça, je fais oh putain ça provoque, je vais un mec muscle. Ce qui est incroyable c'est que de base je devais lui faire une surprise. Dis-toi je suis arrivé à la gare à 19h30 par là. J'ai dû t'appeler, tu vois la surprise était un peu gâchée mais les gars c'est pas grave en vrai, il est là. Mon frérot il est là, Bast, et voilà ça me fait plaisir de te voir. Mais là, il a été blessé genre là ouais juste ici. Soit j'ai charbonné au PATW, soit c'est parce que je me suis fait un coup de genou ici à l'entraînement de foot. Là t'as une espèce de boule, bah si. Ouais, voilà. Ça l'a empêché de faire un peu de freestyle et tout, mais bon. Ouais. Maintenant tu reprends mon gros. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire les gars quelle coïncidence? Ouais. On se retrouve à la gare et on voit Thibaut in shape, mais. Voilà. Tu prends ça, tu inverses. Putain. Oui, super astuce hein. Putain ça marche pas bien. Voilà. Voilà. C'est beaucoup plus efficace. Prenez le fil, arrachez-le et c'est carré. Hein. Ça. Ah bien. Oh. Bon les gars, on va faire une petite vidéo avec la balle, tu vois. Oh la marque. Petite vidéo pour Instagram de Chiesa.
voilà, une vidéo fait pour l'Instagram de Kaza, c'est carré. On a vu qui? Vous savez qui on a vu? Non, vous savez pas. Non, vous savez pas? Là, vous savez pas? Vas-y, dis. On a vu Thibaut. Inchey. Incroyable. Il a même pris une photo avec lui, les gars. Quand j'ai pris une photo, j'ai tremblé comme un malade parce que je pensais même pas rencontrer un youtubeur aussi connu. Bast, est-ce qu'on peut dire que de base, on devait se voir à l'hôtel et qu'on devait pas du tout se voir à la gare en fait? C'est ça. Il est venu et comme par hasard, les gars, on a vu Thibaut. C'est même pas genre on savait qu'il était là ou quoi. Je l'ai vu au téléphone là-bas. Il est au téléphone là-bas. Je vois Harry. En même temps, Thibaut, il était là. Alors, c'est improbable. Attends, laisse-moi le fermer. Impossible à faire. Mais c'est quoi ça? Il est 8h02. Bon, toi, t'as pas la notion du 20h en fait. Oui, mais c'est 20h ou non sur ton téléphone. Oui, mais là t'as écrit 8h. Oui, je sais, mais c'est en anglais ça. Ah. Là, il est 8h et moi j'ai mon train dans 12 minutes. Du coup, bah je vais y aller parce que sinon je vais le rater. Dédicace à tous les la sécurité de France de SNCF. Courage à vous. Vous êtes les boss. On va faire là où trop. Et tu vas faire une transition parce qu'on va se retrouver demain pour mon show. C'est bon. Moi de toute façon je vais faire un vlog avec la GoPro demain pour mon show. C'était une petite surprise de 20 minutes avec Bast. Il est 8h04, j'ai raté mon train. Non, du coup moi ça m'a fait grave plaisir de te voir frérot. Et du coup on a même petit Boeing Shape et tout, bref j'en passe. Rendez-vous demain pour mon show, vlog, transition. Voilà, à demain. Salut, c'est Ahmed de la team Kaza. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui, gros show de freestyle devant plus de 800 à 1000 personnes. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Il y aura les vidéos de Harry et Bas qui font leur show, je sais pas dans quelle ville. Et let's go, c'est parti. Bon, les gars, là, c'est l'échauffement. Quelques heures de ce que j'ai fait tout à l'heure j'ai battu mon record de slap en live, genre avant le show. C'est un truc de fou, j'en ai fait 53. Franchement je suis fier parce que mon objectif c'est de faire 100 slaps et déjà faire plus de la moitié, c'est déjà cool. Là je vais aller voir celui qui organise le show et on se retrouve juste après pour le show. C'est parti. Il est 16h17, il est bientôt. Là on se dirige du coup direction mon show à Agde. À chaque fois que j'ai un train, à chaque fois je trouve un truc pour le rater, ça me saoule. Et mon bus il passe dans 5 minutes. Donc là je vais aller à l'arrêt. Et normalement si je le prends et que tout se passe bien, je rate pas mon train. Surtout qu'il y a un gros projet qui arrive bientôt les gars, on n'en dit pas plus pour l'instant. Mais
ça va arriver très fort les boys, vous êtes pas prêts? Allez, on va faire transition Bob dans le métro, c'est parti. Je suis à la gare, du coup le TGV vient d'arriver. Team, je suis bien arrivé à Agde. Il est actuellement 9h40. Je me dirige vers le hypermarché pour le show. Ouais. Du coup, le show il est annulé, les gars. Vraiment. Genre, le directeur en plus il m'a grave parlé mal. Là, je suis avec Bast. Je suis avec Bast en appel. Le show il est annulé. Bon, les gars, je serai quand même payé. Du coup, c'est cool. Comme ça, je pourrais. Ça va grave m'aider. Là ça part complètement en cacahuète. Moi j'attends l'appel de Nico ou de l'agence ou de je sais pas qui. Et puis ben, si c'est annulé, ben, je vais au temple de Chibon Shape et je vais faire un street show en plein de l'Albi. Donc voilà. Donc, voilà. Là, le vlog de base, il devait tourner bien. Mais là il tourne mal, qu'il retourne bien. C'est n'importe quoi. Moi en tout cas, là le show il est annulé. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais aller au Cap d'Agde. C'est à 1h d'ici à pied. Carré là il est 11h, j'ai mon train à 19h. Donc je suis très bien. Directement au Cap d'Agde les gars. J'en ai rien à foutre, je pars dans l'aventure. Ça fait à peu près un peu moins d'une heure que je marche. Et là je suis bientôt au Cap d'Agde les boys. Les gars, je suis arrivé au Cap d'Agde. J'en peux plus, le dos il est mouillé, j'ai les aisselles ils sont mouillées, j'ai les mains ils sont moites, je suis mort, magnifique. On est bien d'accord que c'est incroyable. Il y a des bateaux de partout les gars, il y a une grande roue. Là je vais aller au centre, normalement j'arrive, je pense. Là il y a la grande roue. Voilà, je me suis un peu chauffé. Petite transition, mais en plan sur la grande roue. Je pense que ça va rendre bien en réel. Les gens sont trop sympas ici, c'est fou. J'ai rencontré ces merveilleux. Voilà. Bah, merci d'être gentil comme ça en tout cas. Ouais, tu l'es aussi. C'est vrai. Je le rends bien, c'est bien. La vie est belle. Oh. Incroyable, incroyable. Ouais, c'est tout ce que je sais faire. Bien joué. Merci. Non, c'est bien déjà, franchement, on continue. Hein. Ouais, c'est Kyazagon. Ok, merci. Ouais. Bah, t'inquiète, vas-y, c'est merde. Hein. Ça fait plaisir. En fait, j'ai eu un problème, du coup, j'ai dû rentrer à Toulouse. Eh non, je rigole. Là, je suis à la mer. Putain. Oh, ce rire. Oh, j'ai fait haha. C'est drôle. Bah, je sais pas, je voulais rigoler, mais en fait. Non, je rigole les gars, bon voilà, là on est à la mer, regardez. Là il y a le soleil qui tape bien fort, en plus à Toulouse apparemment il pleut, donc j'ai de la chance d'être ici. Et là du coup on est juste ici, on profite, c'est carré. La belle vie quoi. Je suis arrivé en haut des rochers, regardez. J'ai dû monter tout ça là-bas en fait. J'aime trop cet endroit les gars, c'est fou.